Biggie Colin on the microphone. BDF Music Industry. Yeah. Né dans le ghetto, je suis le fils aîné de ma mère. Je n'ai pas eu de père, je n'ai que mes frères et mes sœurs. Pour eux je donnerai tout, c'est ma famille, c'est ma vie. Boîte sardine, riz, café misère, c'est de ça qu'on se nourrit. Maman vendait au marché pour pouvoir payer mes études. Manque de gains, elle a tout misé sur son aîné que je suis. J'avais pas droit à l'échec, mais le devoir de réussir. Aucune aide de la famille, non, là-bas y'a que le vampire. Très conscient de ma situation et de ma responsabilité, je me suis donné à 200% pour pouvoir y arriver. Nuit blanche, ventre affamé, mais j'ai tout fait pour ne pas échouer. De toute façon, depuis mon enfance, j'ai jamais eu le temps de jouer. Aujourd'hui, mes efforts ont porté des fruits. BPC, Bac, Master 2, je les ai tous acquis. Les miens sont fiers de moi, ma mère est fière de moi. Mon quartier est fier de moi, et je suis fier de moi. Car pour nous, ces diplômes représentent la fin de la galère. Un boulot, un salaire pour dire adieu à la misère. J'ai pas eu d'autre choix, à part faire l'école, obtenir mes diplômes, pour me trouver un job. Je me suis donné à 200% pour y arriver. Pour ma famille, j'ai tout misé pour ne pas échouer. J'ai pas eu d'autre choix, à part faire l'école, obtenir mes diplômes, pour me trouver un job. Je me suis donné à 200% pour y arriver. Pour ma famille, j'ai tout misé pour ne pas échouer. 3 ans s'écroulent et j'ai toujours pas trouvé de taf. J'ai déposé mes dossiers partout mais rien ne se passe. J'ai même fait des jeûnes et prières mais pas de miracle. Maman m'a dit de garder la foi, de ne pas baisser les bras. C'est fou comme le temps passe vite, j'ai maintenant de mômes. Mais toujours pas des situations stables que des bricoles. Situation trop chelou, ça commence à me peser lourd. Le découragement voulait mes techs quand soudainement... Finalement j'ai eu de la chance, une compagnie m'a sollicité. Je crois que ça va bien se passer, je vais enfin pouvoir bosser. J'arrive pour l'interview dans un bureau climatisé. Je m'assois, CV en main, j'ai mon futur patron en face de moi. Un monsieur chelou mais je fais pas trop attention. Il finit de lire mon CV, commence à poser des questions. Sais-tu que les temps sont durs, de quelle partie appartiens-tu? Il faut avoir un parrain, les diplômes ça suffit plus. Si t'en as pas, je deviendrai le tien et tu seras ma maîtresse. T'auras plus jamais de problème d'argent, t'auras plus de stress. Après ces mots, j'ai vu mon avenir s'écrouler. Mon présent boycotté, mon futur assassiné. Nos dirigeants fabriquent des criminels. Pour travailler faut un parrain ou bien le cul. Le peuple n'a plus de sud. Peu importe les diplômes que tu possèdes, ils n'en ont rien à foutre. Nos dirigeants fabriquent des criminels. Nos dirigeants fabriquent des criminels. Pour travailler faut un parrain ou bien le cul. Le peuple n'a plus de sud. Peu importe les diplômes que tu possèdes, ils n'en ont rien à foutre. Nos dirigeants fabriquent des criminels. Nos dirigeants fabriquent des criminels. Pour travailler faut un parrain ou bien le cul. Le peuple n'a plus de sud. Peu importe les diplômes que tu possèdes, ils n'en ont rien à foutre. Nos dirigeants fabriquent des criminels.